Je suis en retard les amis, je suis en retard. Eh ben, dis donc, si c'est la première fois que vous voyez ça. Ah là là là, c'est pas vrai. Okay. Euh... ok. Je ne sais pas comment faire. Bon, euh, je suis bien allé. Pas hyper fluide, <laughs> bonne année, les amis. Bonne année, bienvenue dans la petite fabrique de photographie. Euh, bon, bah, une fois n'est pas coutume <laughs> pour ceux qui sont habitués. Je, je me suis encore mis dans un, un problème technique euh, que n'arrive pas à résoudre au dernier moment. Dans les deux dernières minutes, je me suis dit, allez, j'essaye quand même, et ça ne fonctionne pas. Bon. Euh, je ne sais pas comment faire. Euh, attendez. Excusez-moi, j'essaie de mettre les commentaires en fait. Et sur mon sur mon logiciel de... J ai, j ai, je suis vraiment désolé pour ceux qui sont en train de regarder en direct. You'd like to show again? Use the docs menu and the menu bar. Oh, ah mais ok, mais je suis pas... Yeah, yeah, yeah. Ok, j'ai compris. Ok. Quel enfer. <laughs> j'arrive, j'arrive, j'arrive. Si, all profiles. Voilà, je voudrais, Génard Robardi, photographe. Okay. Alors, profil, 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 doc. Ok, ça y est, ça y est, ça y est. Alléluia. J'ai les commentaires. Eh, hey, ça commence bien. Hein. Alors, attendez, on va essayer de voir YouTube. Et hey, si vous êtes sur YouTube, vous arrivez pour la première fois, eh ben, ça donne pas une belle image. hein. Bon, hey, c'est des inconvénients du direct. Je sais que vous allez dire ça. Je sais, je sais. Yes, yes, yes. Je suis là. <laughs> Hey, bonne année les amis, bonne année, plein de bonnes choses, euh, j'espère. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter à tous pff, de bosser sur votre photo J'allais dire euh, de devenir de meilleurs photographes, mais ça, on essaye toujours et puis c'est pas vraiment à nous de le dire. Ce qui nous amuse, c'est d'essayer. Bienvenue sur la petite fabrique de photographie, une émission qui est en direct, là, ça ne peut, peut pas tromper. Euh, tous les mercredis à 20h, je suis Gennaro Bardi, je suis photographe professionnel depuis une douzaine d'années, j'ai écrit 4 livres photos, j'ai longtemps travaillé pour les agences de voyage. Et si vous êtes là, sur YouTube, j'ai refait la petite fabrique de photographie depuis, euh, je crois que c'était quoi, mi-octobre. C'est déjà la dixième édition. Euh, C'est une émission que je faisais pendant le confinement et que... Et pendant, euh, enfin, pas, voilà, pendant toute cette période où je, où je me suis mis à faire de l'éducation à la photographie, parce que je vis au Brésil, parce que tous mes contrats avec les anges de voyage euh, se sont arrêtés, les magazines de voyage et tout. Et donc, euh, donc bah, j'ai été un petit peu plus présent, <laughs> beaucoup plus présent, on va dire. Et, euh, et là, en octobre, j'ai relancé la pistolet de photographie pour. Bah, parce qu'il y a des gens que ça, qui s'appelaient. Ça et puis aussi de mon côté pour moi, pour me remettre dans la production régulière et notamment la production de vidéos, parce que je fais des montages après ces directs qui sont <laughs> assez euh, rudimentaires. Et je fais tout euh, tout seul hein, avec mes mimines, hein, donc soyez soyez indulgent. Et euh, et donc euh, et donc là, je, bon, je sais pas s'il y aura beaucoup de monde qui vient de YouTube pour la première fois. Je, je suis désolé si c'est le cas. C'est pas toujours comme ça. Il bon, y a toujours un petit problème. Hein. Je, 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 c'est un peu toujours. Euh, mais c'est bonne ambiance, il y a des photos. On n'est pas nombreux dans les directs. Vous êtes plus nombreux maintenant dans les vidéos. Parce que euh, je dois dire euh, qu'au mois de décembre, eh ben, ça a bien grandi la chaîne YouTube. Euh, je pense que la semaine prochaine, on sera à 2000 euh, abonnés. Euh, début décembre, on était à 1000. Donc, euh, et, et ça a été long pour arriver à 1000. Donc euh, voilà, je suis, je, je suis content de tout ça. Ce que j'essaie de faire sur la chaîne YouTube et par voie de conséquence dans la petite fabrique de photographie, c'est donc ce que je vous souhaite pour cette année. C'est essayer de vous donner des clés... Oh, des clés, non. Mes clés... Oh, je vais pas vous donner mes clés quand même. J'essaie de vous donner des clés pour devenir de meilleurs photographes. Selon ce que je crois être une manière intéressante de travailler. Ce n'est pas la seule. Il y, a, il y a plein d'autres manières euh, voilà moi je, je suis plutôt porté vers une photographie artistique on va dire je suis très porté sur la photographie de rue et je suis convaincu même si ce sont les vidéos sur YouTube qui sont les moins vues je suis convaincu que c'est en vous montrant des photographes extraordinaires que ça peut vous donner de l'inspiration et que ça peut vous aider à donc la manière dont je parle des photographes aujourd'hui on va parler d'un photographe que j'adore Trent Park euh, la manière dont je parle des photographes c'est en les citant alors, ce pas que des citations, c'est, j'essaie de prendre des citations où ils parlent de leur pratique de la photographie. Et donc, pour vous donner des insights, hein, donc je, je, je fais mienne un peu ces citations et je les commente. Voilà, donc ça, c'est ma manière de. Euh, si euh, vous n'avez pas le courage de rester sur ces lives qui sont maintenant. Voilà, et bien, bah, vous pouvez les voir sur la chaîne YouTube. La petite fabrique de photographie, c'est diffusé sur YouTube d'un côté, ici, là, je vous voyez ici, ou sur Facebook les anciens et quelques nouveaux qui sont sur Facebook. Voilà les amis, je vais dire bonne année à tout le monde dans les commentaires. C'est du direct, donc euh, voilà, on va, on va commencer par un photographe. Il y a une discussion euh, ensuite que je vais vous proposer. Euh, je ne décide pas en faire une partie. Il y aura une deuxième partie où on va parler, euh, je pense là aussi pour une vidéo qui sera la moins vue de la chaîne. On va parler de structure narrative et on va parler, enfin voilà, je vous en dis pas plus, mais... L'exemple que je vais prendre, ça va être un autre grand photographe et avec un de ses livres. Donc, ça, c'est peut-être sympa. Si vous aimez Alexos, peut-être que vous aurez envie de rester ou de revenir ou de voir la vidéo sur YouTube. Salut Camille, bonne année si tu es resté jusqu'ici. Salut Slim, bonne année mon ami. Antoine, bonne année. Je crois que c'est la première fois, Antoine, que je te vois ici. Euh, salut Lionel, salut Patricia. Salut, salut, salut Domlek. J'ai l'impression d'avoir, enfin je sais plus où est-ce que je vois les gens, mais je, je pense qu'on s'est déjà vu. Olivia, bienvenue. Et alors, YouTube, comment ça se passe YouTube Zetapix Philippe Caron, les habitués. Christine Kochalski, bonne année, eh, bonne année. Hey, eh, la petite fabrique de photographie, c'est bienveillant. Euh, on commente. Euh... Ah oui, alors troisième partie. Si oui, excusez-moi, je, 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 je suis un peu perdu. Hein. Je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai essayé, essayé de pouvoir euh, essayé de faire un login pour pouvoir commenter moi-même sur les commentaires et pas uniquement, euh, mais je n'ai pas réussi. C'est pour ça que j'ai pris du retard. Et, que... et euh, salut Laurent de Lanoé. D-E-U-X, Lanoé. Pas comme le maire, l'ancien maire de Paris. Euh, bonsoir de Nantes. Il y a une grande filière ouest de la France. J'allais dire Bretagne. Si vous dites que que ce n'est pas la Bretagne, attention à vous. Hein. Le château d'Anne de Bretagne, il est à Nantes. Donc, je vous ai à l'œil. Et les Vendéens, il y a une gro grosse, grosse filière vendéenne dans la petite fabrique de photographie et dans mes formations. Euh... Donc, voilà, je suis complètement perdu dans mon, dans mon truc, mais ça va bien se passer. Euh... Ça s'est bien passé pour vous, les fêtes Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Ah, si, dernière chose, avant qu'on qu s'y mette. Si vous êtes là parce que vous aimez les vidéos, si vous aimez ces lives, si vous les, euh, même si vous faites autre chose pendant que vous les regardez, partagez-les sur les groupes de photographes. Ou alors, je vais vous dire, je pense que les lives, ce n'est pas le truc le plus abordable, même si c'est sympathique et c'est sympa de pouvoir échanger. Et, et je pense que c'est un, un format, euh, voilà, c'est plus long. Hein, donc, j'ai je, 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 les stats, hein, je, je, je sais que bah, voilà, c'est plus compliqué de rester. Hein, donc. Euh... Partagez les vidéos de la chaîne YouTube. Elles sont faites pour ça, quoi. C'est plus resserré, c'est plus court, c'est plus dense. Et puis, bon, on va dire, ça plaît un petit peu. J'ai eu une vidéo en, en décembre. Et ça fait plaisir. Hein. Quand YouTube est content, euh, ça fait plaisir. Donc, euh, partagez euh, la vidéo qui vous plaît sur YouTube en général. Ce sont des contenus qu'on a vus dans la petite revue de photographie. Soit que je réédite, soit que. Voilà. Hein, et maintenant, bah, je, bon, je commence à tourner des choses que vous n'allez pas voir sur la petite revue de photographie. Mais ce que vous verrez sur la petite photographie, vous le verrez sur YouTube. Partagez les vidéos YouTube sur des groupes de photographes ou sur ce que vous voulez, là où vous voulez. Ce sera sympa. À minima, mettez un petit like euh, sur YouTube, sur le direct, pour dire euh, aux copains qui vous suivent que vous êtes en train de regarder. Peut-être que ça en attirera un ou deux de vos amis photographes. C'est parti, la petite fabrique de photographie, dixième épisode déjà. Euh... En route pour les 100 épisodes. Bon, dans un an, on sera à 62, logiquement. Puisque, euh, oh non, je pense que je vais faire 3, 3 par mois. Ça fera 36. On sera à 46. On ne sera pas loin des 50 dans un an. Mais je ne m'arrête pas. Je, je, je fais la petite fabrique de photographie euh, euh, pour très longtemps. Bonne année, Chris. Bonne année, Daddy Barthélémy. Bonsoir et bienvenue. Et euh, sud-ouest vers Toulouse. Bon, on va dire c'est la filière atlantique alors. Allez, c'est parti. La petite fabrique de photographie, dixième épisode. On y va avec l'IA, sacré sujet. Pourquoi, pourquoi me parles-tu d'IA, euh, Lionel Sur Facebook. Ah oui, alors, j'ai je, 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 fait une, une introduction très rapide. Je vis à Salvador de Bahia, si vous regardez pour la première fois. Il fait une chaleur, c'est l'été ici, je, je mets un t-shirt noir pour pas que vous voyez, parce que j'arrête le ventilo à cause du son pour pas que vous voyez à quel point je transpire. C est, c est, je, là déjà, je, je suis en eau. Euh... Bah, je vais le dire tout de suite, euh, Lionel qui parle d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est une question que, que les gens se posent. Pour moi, l'intelligence artificielle... Enfin, après, si, si, ça peut être utilisé par des photographes amateurs. Car pour des photographes professionnels, je, je vois des applications directes. Pour moi, YouTube sur l'écriture excusez-moi si vous entendez ma fille hurler c'est euh, j'ai une utilisation et je vais être très sincère avec vous je pensais en faire une rubrique de la petite vidéo de photographie aujourd'hui et j'ai écrit un truc et puis euh, et puis je me suis et puis en fait en fait je me suis posé cette question que je me pose maintenant à chaque fois que je, que je monte une vidéo ou je tourne une vidéo ou j'écris un script je me pose la question est ce que ça va vous vous permettre vous de devenir de meilleurs, de meilleurs photographes Si la réponse est « je ne suis pas sûr » et je ne suis pas sûr que, que le, ça nous fait plaisir, c'est un sujet d'actualité et c'est cool, mais est-ce que ça va vous, vous permettre d'être de meilleurs photographes bon, Je commence à avoir une idée ou, ou pas. Mais... Salut Lance, Christine Kochalski. Merci Claude, be beaucoup de succès à toi sur YouTube. Salut Gabi, bienvenue. Qui met son grain de sel partout, Lionel. Ben oui, oui. Euh, je, moi, je vais être sincère. avec vous, je m'en sers hein. Alors, Chat GPT, euh, euh, Dali. Euh, je me suis pris de passion pour euh, comment s'appelle euh, Midjourney. J'en suis revenu, mais euh, je trouvais ça génial, quoi. Et je, je, je trouve il y a plein d'applications. C'est un nouvel outil, c'est intéressant. Mais c'est intéressant de voir ce que comprend un logiciel de. de de, du grand fonds iconographique mondial euh, qu'on qu met sur internet, tous en publiant des photos. Donc, euh, je, voilà, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Bon, voilà, bah, peut-être la semaine prochaine, alors, Lionel. On, on, on en... en tout cas, j'avais prévu d'ouvrir la discussion en... aujourd'hui, mais donc pas avec euh, quelque chose de, de, de scripté, plus euh, d'ouvert. Voilà, comme ça. Allez, cette fois, c'est la bonne. C'est parti, la petite fabrique de photographie. Dixième épisode, on va commencer avec Trend Park. Si vous n'avez pas l'habitude, je fais toutes les transitions tout seul, je fais tout tout seul. Donc, j'ai une petite vidéo sur Train Park à vous montrer. Et j'ai écrit un petit texte sur Train Park. Donc, je prépare tout ça et on y va. Ok. Ça, c'est bon. Alors, attendez. Aïe. Ah! Fasse attention. Euh, Excusez-moi. Alors, où est-ce que je suis Ah, merde. Ah, si, c'est là, c'est là, c'est là, là. là. Ah, eh, c'est dur la reprise. Hein. J'étais bien j'étais bien en vacances. Je J'étais pas en vacances, hein, mais la semaine dernière, j'ai pas fait de petite, de petite fabrique de photographie, j'ai pas fait de de l'étincelle et euh, ça frise chez moi je suis seul. alors je pense je pense pas que ça vienne de chez moi Michael je pense que ça vient de ta connexion ok zeta Peaks, je note euh, qu'est ce que je voulais dire euh, je sais plus ce que je disais bon on y va allez train de parc cette fois c'est la bonne Oui, je vous parlais de la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais pas de petite revue de photographie parce que c'est du boulot en préparation, même si ça a pas l'air. Pour l'instant, mais c'est du boulot en préparation. Et euh, je crois que j'ai tourné cinq vidéos qui donc, ne, a priori, ne seront pas dans la petite revue de, de, de photographie, qui, qui sont prêts, qui, mais qui seront sur la chaîne YouTube. Euh... Allez, c'est parti. Comment est-ce que je commence Je commence comme ça. Hein, donc, Train Park, la manière dont je parle des photographes, si c'est la première fois que vous venez, je, je présente un photographe, je présente euh, son travail, euh, ses photographies, et je, 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 je lui donne la parole en, en citant le photographe sur sa pratique de la photographie. Hein donc, cinq citations de Train Park. C'est parti pour Train Park. Cinq citations de Trent Park. Je suis là. Trent Park est un photographe australien connu pour ses photographies en noir et blanc, surréalistes et poétiques. Trent Park a grandi à Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Il a commencé à photographier à l'âge de 13 ans et a rapidement développé un style unique et reconnaissable entre tous où il mélange des éléments de style documentaire avec des éléments de fiction. Il s'est fait connaître grâce à son travail sur The Christmas Tree Bucket, dont vous allez voir quelques photos, et un projet photographique The Seventh Wave, qui explore le rapport des Australiens avec l'océan. Trent Park est également connu pour son travail sur Minutes to Midnight, un projet sur la vie quotidienne en Australie, qui a été présenté dans de nombreuses expositions à travers le monde. En 2011, il rejoint l'agence photo Magnum et a continué à produire des travaux novateurs et puissants, capturant les moments et les émotions qui font partie de la vie quotidienne. Aujourd'hui, Trent Park est considéré comme l'un des photographes les plus importants et les plus influents de sa génération, en Australie, mais aussi à l'étranger. J'essaie de me souvenir quand est-ce que je vous montre les photos Après la citation, hein, c'est ça. Première citation de Trent Park, que j'ai appelée 100%. Au départ, Trent Park a commencé comme joueur de cricket professionnel avant de se concentrer à plein temps sur la photographie. Il explique ainsi comment il a fait sa transition. Il dit comme ça. Quand on m'a proposé un poste au Daily Telegraph et que j'ai déménagé à Sydney, je pensais que je pourrais encore m'entraîner et jouer le week-end. J'ai réalisé après ma première semaine de travail que ma carrière sportive était terminée. Le journal en demandait, le journal en demandait trop. Et si je ne peux pas aller à 100% dans quelque chose, c'est fini. J'ai besoin de vivre ce que je fais du moment où je me lève jusqu'au moment où je m'endors. Et puis, il m'arrive d'en rêver même la nuit. Je n'ai pas, pas fait de sport pour être moyen. J'ai joué pour être le meilleur possible. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Il s'agit de s'assurer que vous faites de votre mieux avec les capacités qui vous ont été accordées. Alors, je vais vous montrer les photos de Train Park. Ok, ça ne marche pas. Eh, C'est la reprise. Hein Trent Park n'abandonne jamais et ne cède jamais à une photographie médiocre. Il ne veut pas créer un travail insignifiant, il veut faire de son mieux. Et il sait qu'en se poussant constamment, il peut y parvenir. J'ai personnellement souvent vu des anciens compétiteurs ou des sportifs de, non, devenir des photographes incroyables. J'ai moi-même pratiqué un, un petit peu de sport, le football, à mon petit niveau, et je me considère comme un compétiteur. Mais je n'aime pas quand l'ego prend le pas sur la photographie, qui doit rester une pratique artistique, en tout cas pour moi. J'ai trop souvent vu des photographes professionnels se positionner comme adversaires ou en se comparant au lieu de s'entraider. Mais je sais également tout le bienfait que peut avoir un esprit compétitif quand il est utilisé avec bienveillance. La racine latine du mot compétition est competo », qui veut dire se rencontrer, s'élever ensemble, strive together. Trouver des photographies exceptionnelles est d'une extrême difficulté et avoir des camarades avec qui se tirer la bourre peut-être très bénéfique. Ça m'est arrivé parfois, quand de très bons photographes participent à mes ateliers, moi, voyages photos, c'était le cas à New York, où il y avait un groupe avec d'excellents photographes, où on est rentré un petit peu dans cet esprit un petit peu compétitif, pour s'élever mutuellement. Je partage également, avec Trent Park, ce besoin de me donner entièrement dans un sujet. En ce moment, la production de photographie prend un petit peu moins de place dans ma vie, parce que c'est simple, je suis entièrement dédié à son éducation et je me demande en permanence comment est-ce que je peux vous aider à devenir de meilleurs photographes ou de meilleurs artistes et ensuite j'essaie d'en faire une vidéo. Mon conseil, le voilà, donnez-vous entièrement à la photographie, 100% du temps disponible. Le talent n'existe pas. Deuxième citation de Trent Park. Toujours en mouvement. Trent Park dit ainsi. Je suis toujours concentré, toujours éveillé. Je suppose que j'ai commencé à me calmer un peu, mais au cours de cette première période de dix ans où j'étais dans les rues de Sydney, j'étais juste maniaque, même fou. C'est comme ça que j'aborde la photographie de rue. Tout regarder, tout voir. Si je pense que quelque chose peut arriver, alors je resterai dans le coin. Mais la plupart du temps, je fonce d'un coin de la ville à un autre, juste à la recherche de choses intéressantes. Une autre raison pour laquelle Trent Park décrit pourquoi il n'aime pas rester immobile est de ne pas trop attirer l'attention sur lui. Il dit ainsi, je n'aime pas non plus rester immobile parce que vous attirez l'attention sur vous-même. Je n'ai jamais été arrêté dans la rue et c'est simplement parce que personne ne me voit jamais. Je suis là et tout de suite je suis parti. Si vous passez trop de temps dans un endroit, vous avez tendance à commencer à affecter ce qui se passe autour de vous. Et je veux juste capturer les choses telles qu'elles sont sans influencer l'action de quelque manière que ce soit. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est n'est pas forcément une pratique de, de la photographie de rue euh, que j'adopte, même si je bouge beaucoup et si je marche beaucoup quand je fais de la photographie. Euh, et c'est pour moi de l'exploration, de la curiosité. Mais je, 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 je ne cherche pas à être invisible. Je cherche à euh, continuer à photographier jusqu'au moment où je suis repéré, où au, quelqu'un, je rentre en dialogue et je commence quelque chose de nouveau. Je propose un portrait. J'ai une pratique différente de ce que décrit Street Park. Mais je trouvais intéressant. Et vous partager cette pratique. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas tous besoin d'imiter Trent Park en termes de manière et de style de prise de vue. Hein? Mais je pense qu'on ne peut pas devenir un photographe simplement en attendant que ça vienne. J'aime ce côté où il va chercher des photos. Hein? Vous devez aller chercher des images, être, sinon en mouvement permanent, en recherche permanente, pour créer des photos qui sortent de l'ordinaire. Troisième citation de Trent Park que j'ai appelée Memento Mori. Trent Park explique Ma mère est morte subitement une nuit de crise d'asthme. Et comme ça, c'était fini. Ce fut le tournant de ma vie qui m'a laissé désespérer de tout saisir pendant que je le pouvais. Il n'y a aucune certitude pour le lendemain. Il continue en disant Je sortais tous les jours pour photographier, c'est devenu comme une drogue pour moi. J'ai adoré cette montée de sortir au milieu de tout le monde. J'avais juste besoin de prendre des images. En ce qui concerne la photographie de rue, il s'agit pour moi du genre le plus accessible. Peu importe à quel point nous sommes occupés dans nos vies, je pense que nous pouvons tous prendre au moins 15 minutes par jour pour sortir et prendre des photos car moi je le faisais quand j'avais un travail, dans une autre vie. Et vous pouvez certainement le faire pendant une pause déjeuner au bureau ou sur vos trajets. Juste prendre 15, juste prendre 15 ou 30 minutes par jour. Ce que je vous propose ici, c'est de ne pas mettre votre passion sur pause. On est tous trop occupés. Hein on, finira, on finira tous un jour, si on est toujours trop occupé, on finira un jour par regretter de ne pas passer plus de temps sur ce qui compte le plus pour nous cette phrase memento mori souviens-toi que tu vas mourir ce n'est pas une pensée macabre ou triste c'est une proposition de méditer sur sa propre vie et de faire en sorte de vivre chaque jour comme si c'était une occasion d'être la meilleure version de soi-même parce que ça pourrait bien être le dernier jour memento mori c'est une proposition de saisir cette journée et d'en faire le meilleur usage possible en l'occurrence en produisant des photographies et en produisant de l'art. Quatrième citation de Trent Park. Mon travail découle de ce qui affecte ma vie en ce moment. Je me considère comme un Australien moyen et les problèmes qui m'affectent sont généralement ceux qui affectent également beaucoup d'autres personnes. Je veux que mon travail commente ce que c'était de vivre dans ce pays à mon époque. Lorsque vous travaillez sur un projet, réfléchissez au message que vous essayez de transmettre à travers vos images. Réfléchissez au sens profond que votre projet peut avoir pour vous-même ou pour la société. Rendez votre travail personnel et donnez-lui du sens. Cinquième et dernière citation de Trend Park. Faites des livres. Trend Park dit ainsi. Tout ce que je fais, c'est travailler pour le prochain livre. Les livres sont le moteur de mon travail. Je ne suis pas intéressé par des photographies uniques. Dès le moment où j'ai commencé un projet, où j'ai commencé ce projet Dream Life, j'ai su, excusez-moi, hein, j'ai su que je voulais faire passer mes sentiments. Excusez-moi, j'ai perdu mon texte. On va y arriver. Aïe, aïe, c'est dur. Hein. J'ai su qu'il fallait que ce soit un livre pour faire passer mes sentiments pour la ville. Faire des, livres, vous app... faire des livres vous en apprend beaucoup sur votre propre travail. Chaque voyage que je fais, je fais un livre unique à partir du travail juste pour voir où ça va et ce qui pourrait encore manquer pour le faire fonctionner dans son ensemble. Pour moi, les images uniques ne sont pas aussi fortes ou puissantes que les livres photos. Les projets ou un corpus photographique vont avoir pour moi plus d'intérêt. Seule, une, seule une seule photo ne peut pas vraiment raconter une histoire complète, contrairement à un livre de photographie. Et les images individuelles ne peuvent pas créer de récit, alors que les livres de photographie vous permettent d'approfondir un sujet et d'aller au bout d'un propos. Raconter une histoire en photographie, ce sera le sujet de cette deuxième partie que nous allons voir. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à voir ce live pour la première fois et je vous prie de m'excuser pour les tiratés techniques. Ah, ce n'est pas simple. Hein Là, je suis bien. Là, on arrête. ok Ça va aller. Ça va bien se passer. Euh, alors, attendez. Excusez-moi. OK, meilleur. Bien meilleur. Non, attendez. Euh, okay, je suis là. Je fais ça. OK, c'est bon. OK, je suis prêt pour la deuxième partie. Et j'espère que... Je, je, voilà, je suis vraiment navré pour euh, tous ces ratés techniques. Je me rends compte qu'il n'y a, a pas beaucoup de lumière. Et la journée avance. Alors. C'est mieux comme ça C'est un peu mieux comme ça, je pense. C'est la reprise, ouais, Mickaël, c'est la reprise. Un coup de passage à la réunion. Réunion à 20h55. Ayant Patrick, hein. C'est des réunions personnelles, j'imagine. C'est dur, mais très intéressant, donc keep cool. Ouais. Ouais, y a pas de problème, hein. De toute façon, le direct, c'est comme ça. Hein. Et puis c'est... C'est sympa de pouvoir échanger. Donc là, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange sur ce qu'on vient de dire, sur ce qu'on va voir, on, on va parler dans la deuxième partie de structure narrative. Donc ça, c'est un vrai truc. Hein, je, je, je prolonge cette cinquième citation de Trent Park, où, il, où il, vraiment, il parle de, de son obsession pour les livres, qui est quelque chose que je partage. C'est pour ça que j'ai choisi cette citation. C'est que je suis obsédé par les livres photos. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de, 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 de vous proposer des vidéos, en tout cas, qui, qui parlent de ça, même si... Pff, bah, je sais que ça n'intéresse pas grand monde. Alors, j'essaie de faire des vidéos courtes et de, et, de, et de saucissonner le sujet, enfin, en tout cas, de, de séparer les, les différentes phases en vidéos courtes, mais même là, c'est difficile. C'est un sujet qui intéresse peu de monde. Hein. Donc, euh, donc euh, voilà, bon, ça n'a rien de grave. Moi, je continue. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc, euh, je, 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 voilà. Et puis, si je trouve quelqu'un sur YouTube ou ailleurs que ça intéresse, tant mieux. Peut-être ça va vous motiver à faire des livres. Donc dans la deuxième partie, on va parler de structure narrative. Et on ne va pas parler de généralité sur une structure narrative, on va parler d'une structure narrative très précise. Donc euh, voilà, si vous avez des questions là-dessus, ou si vous, avez, si vous avez des questions sur train de parc, moi c'est vraiment un photographe que je trouve passionnant. J'espère que les images vous ont plu si vous ne le connaissez pas. Donc euh, c'est. Eh hey, Cyril, c'est la première fois que tu suis un live. Eh bien, suis... oui, effectivement, je ne me souvenais pas de ton, ton prénom et ton nom. Et ben, sois le bienvenu. Bonne année, mon ami. Écoute, j'espère que ça sera encore passionnant pour la suite. Alors, vous voyez, ce que vous voyez, vous, en direct, moi, je l'ai dit sur Facebook 10 secondes avant. Et je crois, sur, sur YouTube, je crois que c'est même 40 secondes ou, ou 4, ouais, 40 ou 45 secondes. Donc, quand je vous dis poser une question, moi, je le vois après que vous ayez écrit, donc plus d'une minute après que je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est pour ça que je laisse au... Bois un verre d'eau, ce qui fait une chaleur. Pouf. Donc, euh... ah bah, c'est super. Parlons de structure narrative, les amis. Hein? Je ne vais pas vous parler d'une structure narrative classique, même si c'est maintenant une structure narrative très classique, hein, mais euh, qui a été un petit peu revisitée par un cinéaste. Alors, ça va, voilà, si vous ne connaissez pas, je suis passionné par euh, les ponts entre le cinéma et la photographie. J'ai pas mal d'artistes sur mon blog dont je suis en train de faire des vidéos. Donc, vous allez avoir, je pense, d'ici une dizaine, une quinzaine de jours, je suis en train de travailler sur la vidéo, sur le montage, ou euh, comment s'inspirer dans, dans sa composition photographique de grands films. Oh, grands films. Moi, je trouve que c'est des grands films. Ce sont des films qui on, qu ont plutôt bien marché, qui sont bien... Euh, donc, euh, donc voilà donc cette passerelle euh, aujourd'hui ça va être une structure narrative qui est, beau, qui est très utilisée au cinéma mais bon ce qui fonctionne euh, au cinéma comme structure narrative fonctionne pour un livre photo alors on va le voir pas pour tous les livres photo parce que évidemment je, 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 je suis déjà en train de parler du, du truc mais le livre photo, c'est une structure narrative particulière. J'ai parlé de cette euh, dans cette vidéo sur, sur l'édition de, de, hein, de comment séquencer. Et comment est-ce que et il se passe beaucoup plus de choses que dans les textes. Hein. Un mot ou une phrase dit une chose, une série de photos dit plein de choses en même temps. Hein. Ce, ce, ce côté polyphonique. Et donc euh, bah ça a ça pour voie de conséquence qu'il peut être plus facile de faire. Euh, des choses qui relèvent de la poésie que d'une structure narrative classique. Néanmoins, il y a des genres photographiques, où il y a des livres photos qui peuvent utiliser une structure narrative, ou qui peuvent utiliser une structure narrative avec une pratique, on va dire, plutôt poétique, mais où la structure, elle est à la construction de la séquence, du séquençage, et où ce n'est pas forcément explicité par des mots ou par une histoire précise. Hein. Ça peut être quelque chose qui est, qui est pensé par l'auteur. Sans que ce soit forcément euh, littéralement visible. D'accord Donc euh, voilà. Ce c'est pas une structure narrative en trois actes euh, hyper classique, qui est la première chose que je devrais faire d'ailleurs avant de vous parler de, de structure narrative plus. Mais bon, voilà. celle-là me, me passionne et, et m'intéresse, donc euh, je voulais vous en parler. J'ai à peine commencé à le faire, mais. Euh... Ah, tu ne connaissais pas Train Park je suis toujours surpris quand quelqu'un ne connaît pas Train de Park. Toujours ça, hein, quand on connaît quelqu'un et qu'on est passionné par quelqu'un, par un photographe, on se dit comment Mais tu ne connais pas, mais c'est génial Et ben c'est pour ça que je fais des vidéos euh, sur YouTube et sur la petite revue de photographie et que je commence la petite fabrique de photographie par des photographes, c'est parce que je, parce que c'est tellement important de, de, de se positionner par rapport à eux, de s'inspirer, de, 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 de prendre une pratique et d'essayer de, de, de la faire sienne. Ah, c'est. Puis ça ouvre des possibilités. Ah, tiens, je peux essayer de faire un truc comme ça ou comme ça. Et, et voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, selon votre point de vue, pour un photographe. On traîne par qu'il n'y a pas beaucoup de photos achetées. cest à c'est vraiment. Ah, c'est du top niveau, quoi. Donc. Euh, Wong Kar -wai, 2046. Je ne l'ai pas vu ce film. Je vois beaucoup moins de films depuis que j'ai deux enfants en bas âge. Je vais être sincère avec vous. Je, si j'arrive à voir un film par semaine, maintenant, je, quand j'avais 20 ans, franchement, je voyais deux films par jour. Et des euh, nouveaux. Hein. Bon, je, je, je faisais des, des, des repas sur des films. Mais voilà, j'ai une boulimie. Je vais être sincère avec vous. Bon, on commence à parler de cinéma. Je voulais être cinéaste avant d'être euh, photographe. Et donc, euh... bon, maintenant, je fais des vidéos sur YouTube. J'essaie quand même de, de structurer, je, même si ça se voit pas forcément. J'essaie quand même de structurer euh, et de mettre une structure dans mes, euh, dans mes scripts de vidéos YouTube. Donc. Euh... Donc, même pour une vidéo de 5 minutes, ça fonctionne. Structure narrative. Voilà, les amis. Euh, si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de plus de trucs, eh ben, on va passer à la deuxième partie. Allez, allez, ça fait déjà 40 minutes. Je sais même pas si j'aurai le temps de faire la troisième partie. Hmm. Alors, sur, sur YouTube, Patricia me dit qu'il faut absolument que je voie 2046. Donc, euh, euh, Mika Brizard et Patricia, je vais suivre votre conseil. Je vais le voir cette semaine. Voilà, c'est dit. Je ne sais pas quand. <laughs> week-end, on va essayer. En <laughs> général, je, je suis plutôt en train de monter des vidéos quand j'ai du temps. Et... Mmh. Allez, c'est parti, les amis. On va parler de structure narrative. Il y a un avant et un après, carrément, Nicolas. Bah, je suis ravi de t'avoir fait découvrir. Achète un livre de train Park, mais tu vas voir la claque. C'est assez saisissant. Hein. Et alors, quand on aime la photographie de rue, et le noir et blanc, euh, Minus to Midnight, c'est quelque chose. Donc, euh, à moins que ce soit Dream Life, je ne sais plus lequel de, des deux. Euh, Ou c'est de la photographie de blanc, noir et blanc Je vous en ai montré beaucoup, là, de, 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 je crois que c'est Dream Life. Structure narrative, c'est parti, les amis. Alors, où est-ce que je suis Donc là, euh, bah, je vais m'arrêter à, à, quelques, à, à quelques moments. Attendez. Oh là là, mais ça ne pas du tout. Parce que j'ai la structure narrative à vous montrer et j'ai une vidéo avec... Enfin une vidéo, c'est une vidéo, mais ce sont des photos d'Alexos. Sleeping by the Mississippi. Donc je vais naviguer entre les trois. Donc, au début, je pense plus sur la structure... Mmh. On va voir quand je Donc ça va être un petit peu... Voilà. Hein? C'est parti. Ah non. Je découvre pas, je disais juste que c'était de la bombe. Ah oui, d'accord. Ah oui, pardon. Non, non, t'as pas dit que tu découvrais. Excuse-moi, Nicolas. C'est parti. Alors, raconter une histoire en photographie. Alors, je vais commencer. Ça va être juste ma tête pour commencer. C'est parti. Racontez une histoire en photographie. Est-ce que vous vous êtes déjà senti bloqué en photographie on a parfois l'impression de manquer de créativité ou de ne pas savoir comment avancer et progresser dans sa photographie. J'ai un ami photographe qui m'en a fait part il y a quelques jours à peine. Le meilleur moyen pour moi, quand je suis dans cette situation, parce que tous les photographes arrivent à un moment ou à un autre dans cette situation, le meilleur moyen pour moi, c'est de trouver un projet photographique qui va me passionner et qui va ra raviver la flamme. En ce moment, c'est un projet sur lequel je travaille peu, mais auquel je pense beaucoup et qui va être mon prochain livre, c'est décidé depuis longtemps, et qui va s'appeler Mon nom et personne. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment raconter une histoire en photographie, donc pour un projet photographique, avec une technique narrative appelée l'histoire circulaire. Alors, je ne crois pas que chaque photo ait besoin de raconter une histoire. Pourtant, je crois que la photographie est un puissant outil de narration quand on souhaite l'utiliser avec cet objectif de narration. Donc vous pourrez utiliser cette technique narrative pour votre prochain projet photographique, pour celui sur lequel vous travaillez en ce moment, si vous souhaitez raconter une histoire, même si moi je pense que c'est une bonne manière de faire un livre photo, d'essayer de raconter une histoire. Donc, même si vous travaillez sur un projet de livre, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir cette structure narrative. Hein comme toujours, ce n'est pas une règle, hein, c'est une technique, c'est un guide, c'est une proposition, c'est un outil. Alors, il y a deux raisons à ça. Hein. Donc, déjà, une suite de photos fonctionne différemment d'un texte. Il est difficile d'associer un seul mot ou une seule émotion à une photo, même si c'est probablement un bon moyen de vous entraîner à comprendre ce que dit une photo. C'est même un exercice que je donne dans mes formations. Hein, de de mettre des mots sur des photos avec ce qu'elles contiennent. Une suite de photographies ressemble plus à une polyphonie en musique. Hein, plusieurs sensations, plusieurs sens se mélangent en même temps dans une même photo. Ensuite, un livre de photographie peut tout à fait ressembler à un recueil de poèmes, c'est ce que je vous disais. Sans qu'il n'y ait véritablement de structure narrative au sens euh, une histoire avec un début, un milieu et une fin. Alors je pense notamment au nombreux livres d'Alex Webb ou plus récemment à celui de Cédric Roux. Euh, ces livres se concentrent sur un lieu et leurs livres n'ont pas d'histoire au sens traditionnel du terme à proposer. Donc si l'on trouve des livres qui n'ont pas de structure narrative spécifique, il en existe également une quantité invraisemblable qui ont une structure narrative, notamment dans la photographie documentaire, dans le reportage ou dans des photographies plus euh, fictionnelles. C'est le cas notamment euh, dans les différents livres de, de Trent Park. Mais l'exemple que je vais vous prendre aujourd'hui, c'est Sleeping by the Mississippi d'Alexos. Et je vais donc vous proposer aujourd'hui une structure narrative en huit étapes, appelée en anglais le Story Circle. Story circle pardon, que, que l'on pourrait traduire donc par l'histoire circulaire, conçue et développée par Dan Harmon. Vous pouvez utiliser cette histoire circulaire comme guide pour la création d'un projet photo, quel que soit le sujet qui vous occupe. Je vais vous montrer tout de suite un petit schéma qui reprend en anglais, je vous prie de m'excuser, cette histoire circulaire. Ouais. Ben normalement, vous la voyez. Voilà. Voilà. Hein et donc nous allons voir ces huit étapes. You need go search, find, take, return, change, que j'ai traduit hein, en français. Je suis en train de penser que je n'ai même pas cherché s'il y avait quelqu'un qui avait déjà traduit ça. Je l'ai fait à ma manière. Un cercle, huit étapes. Comprendre ce qu'est une bonne structure narrative va vous permettre d'être un meilleur écrivain, meilleur cinéaste. D'ailleurs, Dan Harmon est un réalisateur, mais cela vous permettra aussi d'être un meilleur conteur d'histoire au sens large, également comme photographe, notamment dans la production d'un livre. Pour l'illustrer, je vous propose d'étudier le livre Sleeping by the Mississippi d'Alexos. Pour commenter cet exemple d'Alexos, je m'appuie sur le travail d'Antoine Zabajowski, le photographe minimaliste. et Je vous propose d'aller voir son blog, lephotographeminimaliste.fr. Je mettrai le lien en description euh, sur la vidéo YouTube. Hein, donc vous trouverez le lien en commentaire. Alors, je, je, je ne peux pas poster sur les, sur les commentaires. S'il vous plaît, quelqu'un, Google le photographe minimaliste, et met le lien en commentaire, éventuellement avec l'article d'Alexos. Vous allez voir, je reprends mot pour mot les commentaires d'Antoine sur le livre de Sleeping by the Mississippi pour euh, m'appuyer et pour illustrer les différentes étapes de l'histoire circulaire. Voici donc l'histoire circulaire de Dan Harmon, une structure narrative en huit étapes. Première étape, vous. Établissez le protagoniste en appelant cette première étape vous. Hein C'est comme ça qu'on va créer une tension. On rappelle aussi à l'auteur que le spectateur doit pouvoir s'identifier au, pro au protagoniste. On établit également la situation, une sorte de statu quo qui va être transformé par l'histoire qui, qui va être racontée. Alors. Là je vous montre les photos d'Alexos dans Sleeping by the Mississippi. Hein. Dans Sleeping by the Mississippi, le protagoniste est le photographe Alexos, donc lui-même, qui part en road trip le long du fleuve. Le protagoniste, c'est Alexos. Il est intéressant de noter ici l'importance du ou de la photographe dans son œuvre. Le ou la photographe fait partie intégrante de son œuvre, de sa photographie. Vous noterez qu'on regarde toujours une photo en sachant qu'il y a un photographe qui était là pour déclencher. En général, on connaît le photographe qui a déclenché. Je m'arrête tout de suite pour vous dire, si jamais vous vous dites, oui, mais c'est la première fois que je vois le photographe. Oui, mais néanmoins, on, on, très rarement, on découvre des photos sans savoir qui est le photographe. Il n'y a pas de moment à part des photos anonymes, mais à ce moment-là, ça devient je vois des photos d'anonymes. Hein. C'est vraiment extrêmement important de bien comprendre. Je ne dis pas qu'il faut toujours raconter une histoire en mettant en protagoniste le photographe. Je dis que dans le livre de Sleeping Man Mississippi, c'est le cas et que c'est une notion importante en photographie c'est que l'on sait qu'il y a un photographe qui fait les photos. Ainsi, l'histoire du photographe fait toujours partie de l'histoire qui est racontée et son rapport au sujet va être primordial. Deuxième étape, besoin. Quelque chose ne va pas. Vous avez besoin de quelque chose. C'est ce besoin qui est parfois la conséquence d'un incident qui va déclencher l'histoire, qui va commencer l'histoire. Dans le cas d'Alexos, Alexos est quelqu'un de solitaire, c'est un rêveur. Il évoque, quand il commence ce road trip le long du, du fleuve Mississippi, il, est, il, il évoque sa quête de liberté. D'une vie plus libre ou simplement différente. La troisième étape de cette histoire circulaire, c'est va. C'est là que l'aventure commence, que le protagoniste se lance dans l'histoire qui va le transformer. Dan Harmon appelle les étapes 3 à 6 le chaos. Hein, ce sont les épreuves que va devoir affronter le protagoniste. Dans le cas d'Alexos, il va traverser le Midwest des États-Unis du nord au sud en longeant le fleuve Mississippi. La quatrième étape, c'est une recherche. Hein, c'est vous cherchez. Le protagoniste cherche. Cette quatrième étape, c'est la route des épreuves. Hein, ce sont les dix travaux d'Hercule qu'il doit accomplir pour euh, accomplir sa quête. Quand juste y aller, hein, l'étape d'avant ne fonctionne pas et ne permet pas d'atteindre son but, il faut continuer à chercher. Hein, C'est vraiment la route des épreuves. C'est à cet endroit que l'auteur met les plus grandes difficultés devant son protagoniste. Dans le cas d'Alexos, il part littéralement à l'aventure. Mais vous allez voir comment est-ce qu'il est qu a travaillé. Hein, il roule d'un endroit à l'autre, passant d'une chose à l'autre, avec une liste de mots-clés collés sur le, sur le volant. Et il va s'arrêter dès qu'il va voir quelque chose qui attirera son attention ou qui correspondra à sa petite liste de mots-clés. La cinquième étape, c'est trouve. Et c'est ce qu'on appelle aussi hein, dans, le, dans le cycle du héros de Joseph Campbell la rencontre de la déesse. Cette étape est cruciale parce que c'est ici que le protagoniste trouve ce qu'il cherchait à l'étape 2. Mais ça ne fonctionne pas exactement comme il l'avait prévu. Les choses peuvent même s'empirer. Dans le cas d'Alexos, je le disais, Alexos est un rêveur, il a trouvé des rêveurs. Alexos se projette dans certaines personnes qu'il croise, des rêveurs un petit peu comme lui, des artistes à la marge qui semblent vivre une vie rêvée. Il rencontre Peter dans cette maison flottante depuis 25 ans, qui a une vie très créative, et les vêtements suspendus ne sont pas vraiment du linge, c'est pour lui. Une sorte d'œuvre d'art. Un autre rêveur, il rencontre Charles, qui ne sait de construire des choses, surtout des modèles réduits d'avions, qu'il conserve dans une, petite pli dans une petite pièce appelée son cockpit. Alexos rencontre également Lénie, par curiosité en tombant oui, sur une annonce. Alors non, Alexa, j ai, j ai, je, je parlais d'Alec. Alec, Alec Sos, pas Alexa. Alexa, éteins-toi s'il te plaît. <laughs> J'éteigne Alexa. Quoi. Alors... <laughs> ok, on y retourne. Hein Alexos rencontre Lenny par curiosité en tombant sur une annonce d'un magazine érotique. Et souvent, il demande aux gens de noter leurs rêves sur un carnet. Lenny, dans ce cas, espère conserver le corps qu'il montre sur la photo jusqu'à ses 100 ans. Hein? Alexos va montrer ses différents rêveurs tout au long du livre. Étape 6, six, sixième étape c'est prends. Hein? Je, je prends ce prix, payer le prix. Une fois que le protagoniste trouve ce qu'il cherche, une fois que vous avez trouvé ce que vous cherchez, vous devez le prendre. Mais pour le prendre, il va falloir payer le prix, qui est souvent cher payé et porteur de conséquences. Pour Alexos, il part du nord, il vit à Minneapolis, dans le Minnesota. Les États du nord, le Minnesota, le Wisconsin et l'Iowa représentent sa maison, là d'où il vient. Son livre, Sleeping by the Mississippi, débute ainsi par des images qui dépeignent sa personnalité solitaire, pessimiste, réservé, rêveur. Les couleurs sont plutôt froides, le bleu y est dominant. Et sa quête continue pour arriver jusqu'au sud du Mississippi. Et plus Alexos descend le de Mississippi, plus il rencontre l'inconnu. Le sud présente l'aventure, l'exotisme et un petit peu une ouverture d'esprit. Au fur et à mesure de cette descente, les images semblent se détacher de sa personnalité pour illustrer ses désirs et ses fantasmes. Les couleurs deviennent plus chaudes. Alexos a trouvé ce qu'il cherche. Il peut passer à cette septième étape, qui est le retour. Hein, on ramène le prix à la maison. Le protagoniste émerge du chaos et retourne à la maison, mais il a souffert une lourde perte. C'est la mort de Gandalf hein, dans Le Seigneur des Anneaux. Le protagoniste revient à son point de départ. Il est augmenté par ses expériences. Il a grandi, mais il a un nouveau besoin. Il est intéressant de voir dans Sleeping Man Mississippi la symbolique du lit qui se retrouve dans les différentes maisons que va photographier Alexos. Le lit pour un rêveur qui est ce véhicule des rêves. Sleeping Man Mississippi se situe dans la tradition de deux livres qui ont façonné l'histoire de la photographie American Photograph de Walker Evans et The Americans de Robert Frank. Les trois livres sont structurés autour de certains objets physiques. Des motifs récurrents qui assurent un fil conducteur au séquençage. Alexos utilise les lits de la même manière que Walker Evans a utilisé les voitures et les artefacts de la culture populaire américaine, ou Robert Frank, les drapeaux américains. C'est ça, hein, le prix, ce qu'il ramène à la maison. Huitième et dernière étape de cette histoire circulaire changer. Vous êtes changé. Le, pro le protagoniste est transformé. Il revient à une situation de statu quo. Tout semble similaire, mais le protagoniste est différent. On montre ici l'exposition hein, de Sleeping Man, Mississippi. De retour à Minneapolis, État de Minnesota, en juillet 2004, toujours assis dans un bar de quartier, Alexos continue de répondre aux questions de la radio locale. On lui demande ainsi Comment se sent-on lorsqu'on réalise le rêve de sa vie bien plus tôt que prévu Alexos n'avait pas prévu de gagner sa vie en tant que photographe. Il a un léger, il a un léger sentiment de lassitude, hein, un petit peu comme une rockstar qui rentre de sa tournée en musique. C'est difficile de jouer la même musique encore et encore. Hein, ce, ce, ce road trip a été très long la production de ce livre a été très longue. Et Alexos se nourrit de l'excitation des personnes qui découvrent ses photographies. Lui, il est déjà transformé sur son prochain livre, qui a un titre provisoire, Love in Niagara, qui amènera son livre suivant, Niagara. Je vous remontre brièvement l'histoire circulaire de Dan Harmon, qui pourrait se résumer en trois phrases. Je vais essayer, hein, mais. Hein, C'est un personnage qui est à l'aise dans une situation, mais il voit quelque chose qu'il veut, la deuxième étape. Alors il se dirige vers un territoire inexploré pour l'obtenir, la troisième étape. Mais il doit changer pour réussir, la quatrième. Lorsqu'il saisit, enfin, cinquième étape, il paie le prix fort, sixième étape. Et il retourne à sa situation d'origine, la septième. Après cette transformée, la huitième. Je voudrais vraiment remercier Antoine Zabajowski, le photographe minimaliste. Vous pouvez retrouver son blog merveilleux, lephotographeminimaliste.fr, avec son article sur Alexos. Vous pourrez constater que je m'en suis largement inspiré. Voilà, les amis, cette structure narrative. Ah, ok, super! Ah, ça fait longtemps qu'on ne voit pas la vidéo. Ah génial. Ma webcam. Voilà. Ma... Mon. Ma caméra a trop chauffé. Le lit de Lindbergh. Ah, ça c'est autre chose, Cyril. Christine sur YouTube qui dit qu'elle qu a feuilleté le livre tout à l'heure dans une librairie. Bah, J'espère que la prochaine fois que tu vas dans cette librairie, tu le prendras, le livre. Merci Marc. Merci Marc pour ton commentaire sur YouTube. La webcam ne tourne plus. Ouais, c est, c est, en fait, j'ai ma caméra. J'ai un appareil photo euh, sur vis de caméra où la qualité d'image est différente. Ça, c'est ma webcam mais euh, il fait tellement chaud qu'au bout bah, d'une heure au bout d'une heure, euh, heure euh, voilà. c'est euh, pour ça que j'essaie de, de, de terminer en une heure, ce qu'on a fait là, pour cette fois-ci, parce que là j'ai terminé je, vais, je, vais, je fais habituellement, si c'est la première fois que vous voyez habituellement je fais une lecture de portfolio à la fin et là je savais que les parties seraient plus longues je ne me doutais pas que l'introduction serait si euh, chaotique et, euh, voilà, mais je me doutais que je ferais une heure uniquement avec ces deux parties donc euh, je n'avais pas prévu de faire lecture portfolio. Je reprendrai la lecture de, de portfolio ou de compte Instagram la semaine prochaine. Donc si vous voulez mettre en commentaire euh, ou m'envoyer en, en message euh, votre portfolio, votre compte Instagram pour que je le montre et, euh, et le commente, ma petite revue de photographie, on, on fera ça la semaine prochaine. Voilà. C'est pas simple. Hein. Euh, alors Camille, eh ouais Camille, je, je suis pas surpris que tu aies partagé. Je sais pas si, si tu. Euh... Merci Camille sur Facebook d'avoir partagé l'article. Et Patricia aussi. Mais voilà de retour. Hein. Donc ouais, enfin voilà, je vous l'expliquais, c'est ma caméra. Voilà les amis, c'était la petite fabrique de 10 Dixième épisode, ça a été un petit peu chaotique. Euh, même y a, vous n'avez même plus vu ma tête, mais je vais vous dire, euh, je ne vais pas faire un montage avec ce que j'ai tourné là. Enfin, là, ça tombe bien parce que cette deuxième partie, je n'aurais pas pu le faire. Alors, ça aurait été vraiment euh, compliqué parce que je, pour préparer, parce que même si ça n'a pas forcément l'air, je prépare le matin cette petite fabrique de photographie et, euh, et maintenant bah, je prépare en, en, en tournant en meilleure qualité parce que le, le problème du stream. C'est que c'est du 720p. Alors, sans, pardon d'entrer dans les détails techniques, mais euh, du coup, pour la qualité des vidéos, ce n'est pas dégueulasse, hein, c'est propre, mais bon, bah, je pense que c'est quand même mieux d'avoir une meilleure qualité. Donc, du coup, pour préparer ce live que vous avez vu, et excusez-moi encore une fois pour tous les incidents, eh bien, j'ai tourné la vidéo. Donc, j'ai moins d'enjeux. Ce n'est pas grave si je rate une phrase. Ou si je... Donc, ça me permet aussi d'être un peu plus cool sur, euh, sur la lecture de mon script. Voilà, les amis, le lien avec cet homme et ses maquettes d'avion et la photo du lit d'enfance de Charles Lindbergh dans la page suivante, le livre d'Alexos. Merci pour cela et merci à toi, Cyril. Je, oh, je vais être sincère avec toi, Cyril, je ne connais pas le lit de Lindbergh. Donc, euh, euh, envoie-le en commentaire. Une photo ou. Je n'ai pas d'alerte pour, pour le chat. Je n'arrive pas à, à voir ce qui se passe après. Euh, mais euh, une fois que c'est diffusé. Mais, bon, je suis encore là pendant. J'ai chaud, les amis. Bon, J'espère que c est, c est, tout s'est bien passé. Merci à vous d'être là, d'être si fidèle. Merci, Olivia. Merci, Patricia, Camille. Merci à tous de suivre sur Facebook. Vous êtes. Euh... Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux sur YouTube, ça me fait très plaisir aussi. J'espère que ça vous a plu, c'est une première. De temps en temps, j'arrive à faire un épisode où, il se passe, où, où tout est fluide. Mais bon, c'est pas souvent quand même. Mais je fais tout, tout seul. J'ai mon logiciel, j'ai les vidéos, j'ai ce que je veux vous montrer, j'ai mes scripts. Je veux que ce soit à peu près fluide, donc voilà. Et puis après, on échange, vous pouvez poser des questions. Là, c'était pas vraiment les sujets. Oh, voilà. On n'a pas, même pas fait la discussion sur l'intelligence le... artificielle. Vous voulez que je vous le lise tout de suite Le truc que j'avais prévu Ah oh non, on n'a pas le temps. Ah non, j'ai pas le temps, les amis. Je ne peux pas. La semaine prochaine, d'accord On parlera de l'intelligence artificielle, mais je n'en ferai pas une vidéo. En fait, je ne enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens... Est-ce que dans... là, dans ceux qui regardent en ce moment, est-ce qu'il y a une personne qui s'est dit Oh là là, mon dieu, l'intelligence artificielle, ça va me gêner ou ça va m'empêcher de faire des photos enfin, je... Pour moi, c'est un outil, quoi. Donc, je, je je vois pas en quoi ça gêne. Vous êtes photographe professionnel, vous faites de la photographie commerciale. Parce que même le, enfin, je veux dire, la photo de voyage, euh, Chat euh, Dali ou, ou Midjourney, euh, ils sont pas encore au niveau. Hein. Vous faites de la photo de rue, peut faire des trucs très propres, mais bon, euh, ah, c'est pas encore les vrais. En revanche, si vous faites des, euh, si vous vendez des photos euh, vraiment commerciales, sur de la base, de la banque d'images ou de. Je sais pas, enfin, euh, ouais, Moi, je pense que les, les plus en danger, c'est ceux qui gagnent le plus d'argent. C'est ceux qui font du studio et de la photographie commerciale. La photographie artistique, je ne crois pas qu'elle soit en danger. C'est un nouvel outil pour produire des images de manière différente. Pour moi, c'est complémentaire. Après, l'intelligence artificielle euh, écrite, moi je trouve ça génial, quoi. Pour, pour écrire des bases de texte, justement, des petits, une, une structure de base. Euh, et ensuite euh, compléter c'est génial euh, voilà après faut faire attention c'est jamais on prend on prend jamais les choses en, en l'état car pour l'instant parce que euh, ChatGPT fait, fait plein d'erreurs quoi donc c'est bien d'utiliser quand on connaît le sujet mais euh, voilà euh, l'intro sur Train Park euh, je l'ai faite en utilisant ChatGPT moi ça m'a fait un truc propre j'ai vérifié les trucs de manière à ce que je dise pas trop de conneries ça a cité des projets qui n'existaient pas. Donc, euh, voilà, j'ai juste... Euh, donc, le truc n'était pas utilisable. Mais je connais le truc, je suis allé chercher d'autres sources. J'ai complété, j'ai été beaucoup plus vite en, en, en l'utilisant pour, écri pour écrire un script. C'est génial, quoi. Donc, euh, ou un article, je veux dire. Pour écrire un article, si vous êtes blogueur, c'est fabuleux, quoi. Et après... Euh, Je fais, je vois plus les commentaires. Ici, si, ça y est. Ok. Excusez-moi. Cela fait partie de notre monde. Ah ben C'est un sujet intéressant, je trouve. Euh, euh, L'intelligence artificielle, les fake news euh, sont des sujets hyper intéressants. Jonas B. Dixon. Le problème de, de ce sujet, si tu veux le traiter en photographie, si tu passes après Jonas Dixon qui a fait un, un tambour incroyable de, de, depuis un an et demi mais bon il y a probablement une manière une nouvelle manière de parler de ce sujet là en photographie donc c'est hyper c'est un sujet hyper intéressant est-ce que c'est un sujet qui le fait d'en parler voilà moi ce à quoi j'ai pensé pour des photographes amateurs ou pro mais amateurs y compris euh, c'est que ça peut ça, j ai, j ai, tiens si j'ai fait le test en me disant je tiens peut-être je vais en faire une vidéo ou en fait euh, j'ai demandé à, à l'intelligence artificielle de, 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 des idées de projets sur des projets moi que j'avais déjà fait en me disant est-ce qu'il va arriver à, à me donner une idée sur un truc où moi j'ai déjà eu cette idée et, euh, et c'est parti sur des, sur des idées de projets photographiques hyper génériques hyper concentrées sur la forme ou sur une pratique ou sur un genre photographique c'est pas grave en soi parce que encore une fois comme à chaque fois que j'utilise c'est un bon point de départ ça permet de ah, typiquement, moi, quand je fais des vignettes euh, YouTube, c'est un truc, c'est une tannée, c'est hyper important. Euh, donc, euh, et je ne sais pas par où commencer pour faire ma vignette YouTube. Je ne dis pas que c'est à chaque fois, parce que parfois j'ai une idée. Mais si je n'ai pas d'idée, je vais demander à ChatGPT, donne-moi cinq idées de vignettes YouTube avec ce titre, parce que j'ai déjà le titre. Et euh, il me donne cinq idées. En général, c'est des trucs hyper bateaux, mais moi, ça me permet de déjà souvent d'évacuer les trucs bateaux et parfois d'élaborer autour d'une de ces idées. Donc voilà, encore une fois, c'est une... la première fois que, que je. <laughs> j'allais dire j'ai quelqu'un, mais que je, que je peux faire un petit brainstorming euh, sans avoir, sans euh, faire chier quelqu'un ou un, un copain en lui disant qu'est-ce que tu penses de ça ou ça ou ça. Donc voilà, petit brainstorming euh, rapide, c'est génial. Donc ouais, ça fait partie de notre monde, c'est un bon outil, oh, ça, ça amène des tonnes de commentaires. Non, mais si je fais une vidéo sur l'intelligence artificielle, probablement que ce sera, ce sera beaucoup plus vu. C'est un sujet à la mode. Moi, suis... bon, je me suis dit, euh, je pense pas que ça vous aide à devenir de meilleurs photographe. Je pourrais faire une vidéo comment utiliser l'intelligence artificielle pour concevoir un projet photo. Tiens, c'est ça que je pourrais faire. Tu vois, à force d'insister, Lionel, je finis par trouver. Ah, bah ouais, ouais, pour les publications, pour les réseaux sociaux. Les agences de communication qui font des réseaux sociaux ont du mourant à se faire. Hein. Parce qu'un un committee manager, c'est. On euh, ben, peut gérer quoi euh, Je ne travaillais plus en agence depuis longtemps, mais bon, j'ai quand même pas mal d'amis en agence. Un committee manager, c'est quoi Ça gère 5 comptes, on va dire, 5 clients, pour être rentable à peu près, on va dire. Et, euh, mais il ne fait que ça, quoi. Et il euh, ben, y a beaucoup d'annonceurs, petits à moyens, qui ne vont plus avoir besoin d'agence. Bon, en général, ils n'avaient pas les moyens de se payer une agence, mais. Toutes les PME qui ont une agence de com pas chère et euh, là pour les réseaux sociaux, mais euh, pourquoi tu te ferais chier à, à, à faire un brief à une agence pour avoir une proposition de texte de machin de truc alors que tu peux brainstormer tout seul, euh, lancer un truc en cinq minutes, puis dire ok bah tiens hop j'ai demandé à Dali, j'ai cherché un visuel, boum je fais mon texte, j'adapte, je l'ai fait tout seul quoi. Donc euh, là avoir une agence, euh, ça devient compliqué quoi. Ou alors, ça va permettre aux agences d'être moins chères. Mais bon, ils vont encore se plaindre qu'ils ne se tirent pas assez de pognon à leurs, à leurs annonceurs, à leurs clients. Je ne sais pas, hein, mais euh, Lightroom est une IA. Il y a des outils d'IA de, dans les Lightroom. Après, je ne vais, vais pas vous faire euh, l'encyclopédie de l'intelligence artificielle, Lionel. Hein, je... Et puis, je, je... Enfin, vous avez vu, quand je parle de Lightroom, je parle de choses techniques, mais bon, c'est quand même assez orienté. Et si la photographie ne se faisait plus que sans utiliser un appareil photo, grave ou non, bah Dali, c'est ça, tu n'as peux... plus l'appareil photo, hein. tu fais une image sans appareil photo. Donc, euh... mais euh... photographie, c'est pas quelque chose de réel, hein. c'est pas le monde réel. Donc, euh... même si ça peut être une pratique de la photographie qui est d'être dans le réel, notamment quand on est, si tu es photojournaliste, là, ça devient nécessaire d'être dans le réel mais euh, tout le reste donc euh, si au lieu d'avoir un infographiste tu peux avoir un tu peux avoir dali euh, tu peux avoir mid Journey, pourquoi tu t'en priverais c'est un super outil quoi après les questions de droit d'auteur bon, après voilà on peut faire deux heures de live là-dessus moi je, très sincèrement bon voilà c'est un sujet ok moi je ne pense pas que ce soit ça qui va vous permettre de devenir de meilleurs photographes et moi c'est mon obsession. Voilà, je ne euh, suis pas encore sûr que la semaine prochaine, j'ai envie de parler de projet photo et utiliser l'intelligence artificielle pour faire un projet photo. bon Peut-être, c'est une idée. On verra. Je ne je suis, suis pas arrêté là-dessus. Je vais peut-être revenir à des choses un peu, plus, euh, un peu plus générales. Salutations du Québec, Denis, bienvenue. Bonne année, chers amis. bon Je vais conclure là-dessus, les amis. On continue à parler de ça la semaine prochaine. Je ne pense pas en, en, en faire une vidéo. Voilà, donc, euh, euh, discussion ouverte. Lisez les choses, envoyez-moi les choses et mettez le en commentaire la semaine prochaine, comme ça on en parle et vous, euh, et vous venez avec vos articles. Et euh, hein, ça peut être intéressant. Voilà ouais, les amis. Merci à YouTube, vous avez été drôlement plus nombreux. Me gêner, non, mais comment elles peuvent nous aider? Je n'ai pas compris. Nicolas Devops sur YouTube, j'ai pas compris ta question. Merci parce que c'était très bien, du très bon contenu et la fluidité, c'est pas grave. À la prochaine avec plaisir. J'essaye chaque fois de m'améliorer. C'est vraiment ma, ma constante. Nicolas, donc euh, merci de ton commentaire. Salut Zetapix. Cette fois-ci, c'est la bonne. À la semaine prochaine. Super, les amis. Merci beaucoup. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, le 11e, la petite fabrique de photographie. Je ne sais pas encore de qui je vous parlerai. Je n'ai pas préparé. Je commence demain. Ciao, les amis. Alors, oui, Cyril, c'est tous les mercredis à 20h. Et euh, fin mars, heure, heure d'été, ça passera à 21h. Parce que je n'ai pas d'heure d'été ici. Donc, c'était 21h, c'est passé 20h, ça reviendra à 21h. Ciao, les amis. Bonne semaine, bonne photo. Partagez les vidéos sur YouTube. Soyez sympas. チャオリティ